Bref. Comme tous les matins, j'étais en retard. Vu que je voulais pas me taper les bouchons, j'ai couru vers mon vélo. Sauf que ce matin-là, ça marchait pas. J'ai essayé un truc, ça a pas marché. J'ai essayé autre chose, ça a pas marché. Ça m'a énervé, j'ai crié. Pendant que je me disais que ma vie c'était bien de la merde, j'ai repensé à ce jour où j'arrivais à l'IUT et j'ai croisé cette association. Comme je savais qu'ils allaient me demander quelque chose et que je voulais pas me faire aborder, j'ai décidé d'utiliser ma botte secrète, l'esquive. Salut, salut, t'as 2 minutes? Il était fort. Ouais. Tu connais Vélo Campus du Lyon? Non. C'est une asso super sympa, on sensibilise et on mène des projets sur le développement durable et l'écomobilité. À ce moment-là, je me suis dit que je suis tombé sur le plus gros activiste écolo de l'IUT. Vous n'aurez pas l'écomobilité! On promeut énormément le vélo, on mange vélo, on vit vélo, on respire vélo. Pendant que ce mec que je connaissais pas me parlait, je trouvais ça marrant de l'imaginer vivre avec son vélo. C'est pour ça que le capitalisme est notre seule chance. Des questions? On peut t'apprendre à réparer ton vélo? C'était intéressant. C'est 5 euros. C'était moins intéressant. Alors? J'ai compris que la seule façon de m'en sortir, c'était de lui dire très clairement que je m'en foutais. Non, merci mec. On peut t'apprendre à réparer ton vélo? Réparer ton vélo? Ton vélo? Merde. Après avoir porté mon vélo pendant 2 km, je suis arrivé au local de Vélo Campus. Bonjour, en fait, je viens vous voir, c'est par rapport... Vous êtes adhérent? Non, mais c'est juste mon vélo, en fait. Vous adhérez? Enfin, je suis un peu pressé, donc... Vous adhérez ou pas? Il était vraiment très fort. Pardon? Et voilà. Bonne journée. Merci. Bref, j'ai adhéré à Vélo Campus. Oh, mais que voilà !